Alors, c'est toi le fameux Arthur d'Horizon. Oui. Il paraît que tu as fait des trucs absolument formidables en carte. Tu as gagné la... Le trophée Académie, EFIA. Et ça, c'est, on peut considérer que c'est comme une Coupe du Monde. Des oui, pilotes, il y a des... 54 nations différentes. Et tu as gagné. Et tu es le premier Français, je crois, oui, qui a réussi ça. Alors, tu sais que tu viens, toi, au bout d'une filière absolument formidable qui a duré 70 ans. Voilà, 70 ans que la Fédération Française du Sport Automobile, la FFSA, eh bien, s'emploie à produire, aider, mettre des bases pour les pilotes français et tous les amateurs qui veulent faire de la course automobile. Et tu sais que, pour te prouver que ça existe depuis longtemps, on va rencontrer maintenant un licencié qui a 69 ans de licence. Je sais pas si tu vois. C'est si, 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 bah si, ça existe. On va le revoir tout de suite. Oui, Jean-Louis a raison. Ma première licence, je l'ai eue en 1953. Parce que je ne pouvais pas l'avoir avant, parce qu'il fallait un an de permis avant d'avoir une licence. Donc ma première course s'est située dans l'année de mes 20 ans. Et je n'ai pas arrêté de prendre des licences jusqu'à aujourd'hui. À l'époque que j'ai débuté, il n'y avait que Montlhéry qui existait en circuit permanent. Montlhéry, c'est là où tout a commencé, effectivement, parce que ma première course, ça a été le Bol d'Or qui se courait à l'époque 24 heures à bord tout seul. Il n'y avait pas de relais, on était seul. Et après les 24 heures, j'ai fait 9 records du monde ici avec la même de chevaux. Le sport automobile a beaucoup évolué parce qu'il partait quand même de pas très haut avec des voitures qui étaient vraiment des voitures de monsieur tout le monde préparées. Et les pilotes, c'était des pilotes amateurs. Donc petit à petit, ben, ça s'est perfectionné. Est née la fédération qui a géré et encadré tout ce genre de compétition et de groupes de voitures en créant des commissaires techniques, des corps de commissaires sportifs, des directeurs de course. Et ça existe toujours, ça. Parallèlement à ça, bien entendu, l'amateurisme des circuits en ville n'était plus possible. Il a fallu créer des nouveaux circuits. Les nouveaux circuits sont apparus avec Nogaro, Magny-Cours, Charade. Enfin, ça a permis de pouvoir donner aux licenciés qui avaient de voitures plus récentes, beaucoup plus performantes, de pouvoir s'exprimer correctement et en sécurité, parce que la sécurité a été le motif de la fédération. Alors, la vraie force de la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, c'est d'avoir posé des bases extrêmement solides, avoir structuré le sport automobile français au plus haut niveau. Et très rapidement, on a eu par exemple Alpine qui a brillé en rallye, et puis on a eu Matra qui a brillé en circuit. Et d'ailleurs, il y a un pilote français qui a couru pour ces deux marques. On l'écoute ? Oui. Ben moi, j'ai démarré par les rallyes, mais après, je suis passé très rapidement au circuit. Quand j'ai conduit pour Alpine, Alpine m'a mis dans un prototype pour Le Mans. Et puis surtout, après, je suis arrivé chez Porsche. C'était pour moi le lancement dans les grandes courses d'endurance avec les meilleurs pilotes du monde. C'est ce qui m'a permis après de rentrer chez Matra en 1973. En fait, Matra est devenu incontournable à une certaine époque parce qu'il y avait une volonté de Jean-Luc Lagardère de gagner des épreuves avec un objectif bien défini. Il voulait gagner le championnat du monde de Formule 1, il l'a gagné. Il voulait gagner les 24 heures du Mans, il les a gagnées. Je garde un souvenir formidable des saisons que j'ai passées avec Henri Pescarolo chez Matra, parce que nous avons gagné les 24 heures du Mans deux fois de suite. En 1975, j'ai arrêté la course automobile parce qu'on m'a proposé de prendre la direction de la compétition chez Renault. On a décidé de faire le moteur turbo d'abord pour les prototypes, ce qui nous a permis de gagner le Mans, et puis après pour la Formule 1, ce qui était bien entendu beaucoup plus difficile. Alors là, les Anglais, ils se marraient. Ils se marraient en nous voyant exploser le moteur tous les dimanches. Disons qu'on a mis de 77 à 79 pour gagner notre premier Grand Prix. Franchement, la direction de Renault se posait des questions. 15 jours après, au Grand Prix de France, on gagne. Et c'était formidable. C'est un souvenir inouï parce que
D'abord, on a gagné avec une technologie toute nouvelle. C'était le premier Grand Prix gagné par une voiture française avec cette nouvelle technologie turbo. La victoire de Jean-Pierre Jabouille a marqué le sport automobile français. Alors, tu dois comprendre qu'à cette époque-là, c'était l'âge d'or du sport automobile français. Il y avait deux équipes capables de gagner des grands prix, Renault et Ligier, et elles ont gagné beaucoup de grands prix. On avait quelquefois sept pilotes français sur la grille de départ, et parmi ces sept pilotes français, il y en avait quelques-uns et qui venaient du karting, comme toi. Avec ce kart-là, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Moi, j'ai gagné le championnat de France junior. Ouais. Mais au Trophée Académie, c'est le même kart. C'est juste les carrosseries qui changent, c'est pas la même couleur. Alors, je vais te dire qu'on va prêter ce kart à un de mes amis qui a été quatre fois champion du monde de Formule 1, il sera ravi. Il s'appelle Alain Prost. À 14 ans, je rêvais uniquement de football. Hein. J'étais passionné par le foot. C'est mon frère qui était passionné par les sports mécaniques. Et en vacances, il voulait absolument aller faire du kart de location à la Siesta à Antibes. Et moi, je suis allé, mais vraiment en traînant les pieds. J'avais le bras dans le plâtre et j'ai toujours dit, je souhaite à tous les jeunes qui découvrent un jour une vocation, moi j'appelais ça enfin, une étoile dans le ciel, et j'ai gagné la petite course que l'on faisait. Et je me suis dit, ce truc c'est pour moi. Le karting pour moi a été non seulement un tremplin, un peu une école de vie, une période dans laquelle je suis le plus fier. Si on me demande aujourd'hui c'est quoi ma plus grande fierté, par exemple les titres, les victoires en F1, etc. Je dis non, c'est sûr que c'est cette période-là, donc je suis le plus fier. La clé, ben, c'est bien entendu 74. 74, je suis champion de France et j'ai la bourse, la bourse de pilotage qui avait été instaurée, je crois, par Jean-Marie Balestre, président de la fédération à l'époque, qui me permettait de pouvoir courir, de faire l'école de pilotage. De toute façon, sans la bourse, je n'aurais pas pu continuer. Voilà, c'était très vite du karting à la monoplace parce que je gagne le championnat en Formule Renault, Formule 1 en Europe, Formule 3, enfin la première année, mais c'était le championnat de France, championnat d'Europe de Formule 3, je gagne Monaco. Et puis Marlboro qui avait déjà un œil sur moi et m'a contacté pour organiser la séance d'essai au Castellet. Premier tour, monter doucement parce que bon, les voitures sont quand même impressionnantes hein, quand on passait de Formule 3 à Formule 1 à l'époque. Et deuxième, troisième tour, je me suis dit c'est bon, il n'y a pas de... et ça va le faire. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est vrai que ça a bien marché tout de suite. Chez Renault, on est passé... On aurait dû être au moins une fois sur deux champion en 82 ou 83. Puis en fin de compte, moi, j'ai été quatre fois après. Il doit savourer cet instant qu'il attend depuis si longtemps. Alain Prost, champion du monde. Il y a eu deux sentiments ce jour-là, ce soir-là. Le premier, bien entendu, c'est une sorte d'aboutissement. Et puis le deuxième sentiment, globalement, de remercier indirectement tous ceux qui sont passés avant, qui ont été un peu les pionniers. Parce que je pense que 82, Didier aurait dû être le premier champion. Puis il y a tous les autres. On n'a aucune idée de ce que l'on écrit ou pas quand on est en activité. Avec Ayrton, on a bien entendu écrit une page incroyable de l'histoire de la Formule 1. À l'époque, on ne se rend pas compte parce que ça nous dépasse un peu, on est dans un tourbillon. C'est une chance qu'on a eue en même temps hein, de s'être rencontrés, même si les titres, les victoires pourraient être plus importantes, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est ce que l'on a donné, c'est ce que l'on a montré et ce que l'on laisse dans l'histoire. Et ça, c'est assez magique. Oui. La FFSA est forcément très fière de ses pilotes internationaux qui ont brillé au plus haut niveau du sport automobile mondial. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait énormément de choses, énormément pour les amateurs. C'est-à-dire les pilotes de rallye cross, de course de côte, les amateurs. Il y a plus de 55 000 licenciés à la FFSA. C'est un travail énorme. Et il y a aussi tout le staff, les commissaires, les officiels, etc. Évidemment. Donc on va écouter un pilote amateur. J'ai exactement 50 années de licence cette année, 2022. Et entre parenthèses, j'ai l'âge de la fédération, donc 70 ans cette année. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours en activité.
J'ai choisi la course de côte pour des raisons de temps, parce que c'est beaucoup moins prenant que partir une semaine pour un rallye ou partir 5 jours pour faire des essais sur un circuit. La course de côte, c'est beaucoup d'adrénaline parce que c'est un sprint est où les écarts sont très minimes. Des fois, j'ai gagné des courses pour un millième. Donc, je vous dis pas au départ, voilà, il y a une tension qui est très très forte. Et après une semaine de travail, il faut vraiment se mettre dedans. C'est pas évident, c'est beaucoup beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures dans la semaine pour pouvoir se libérer pour le week-end. Déjà une grosse journée pour les voitures des clients et après. On va dire une grande soirée sur les voitures de course. Il faut vraiment être très passionné. En France, j'ai souvent remporté le titre dans la catégorie des voitures fermées. Je n'ai pas le nombre exact. Et puis en Europe, j'ai remporté 5 fois le championnat. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau sécurité, c'est ce qui est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre discipline, depuis que je la pratique, il y a eu quand même quelques accidents graves. Et donc, on a travaillé surtout avec Marcel Tarès sur la sécurité à partir des années 90. Et ça a été une très bonne chose pour notre discipline. Alors ça, c'est une voiture utilisée dans le cadre du rallye jeune. Oui, on voit que c'est une coque de machine de rallye, hein, renforcée partout. On a parlé tout à l'heure des 55 000 licenciés de la FFSA, et dans ces licenciés, il y a énormément, énormément de pilotes de rallye, parce que c'est une grande spécialité française. Est-ce que tu sais que le premier titre de champion du monde des rallyes, c'est une équipe française ? Ah oui, non, je ne savais pas. Bon, et c'est Alpine Renault. Et puis après, on a eu des pilotes classe comme international et mondial, Didier Auriol, champion du monde. Et puis, je suis sûr que tu connais ceux qu'on a eu ensuite, deux grands pilotes de rallye, tu peux me dire lesquels ? Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Et voilà. Mon goût pour le pilotage, il s'est manifesté assez tôt. Déjà avec rien que les vélos déjà, fallait que je fasse des sauts, des dérapages, etc. Bon, ben voilà, c'était des vélos, j'avais 10 ans, etc. Ensuite, je dirais que ça s'est vraiment révélé avec les premières mobilettes. Puis ensuite, il y a eu les premières voitures, donc le plaisir de faire le con avec ma voiture. Et puis je me suis rendu compte que j'étais quand même plus doué que la plupart de mes copains. Rallye jeune, ça a été le point de départ d'une longue aventure, même si je l'ai à la fin pas totalement gagné et que j'ai pas couru pour le team Rallye jeune. Il y a un gars, Dominique Heinz, qui s'est dit avec Rémi à l'époque, son associé, ce gars-là, si deux fois de suite il est devant 15 000 personnes, c'est pas un hasard. Donc ça vaut peut-être le coup de creuser. Ils ont décidé d'investir dans une voiture, de me faire rouler. À ce moment-là, j'ai pas de plan de carrière et je crois que le réel soutien de la Fédé, même s'ils me suivaient hein, déjà globalement, mais ils m'ont intégré en équipe de France. Je pense en 99, donc en parallèle du trophée Saxo que je faisais en France, j'ai fait 5 manches mondiales qui étaient financées par la fédération. Ça a été une super expérience parce que je me suis retrouvé d'un coup confronté à faire deux passages de reconnaissance en fait. Ça a changé la vie. Ça m'a permis de préparer aussi l'année d'après où j'ai couru grâce à la Fédé encore une fois avec une Toyota Corolla sur deux épreuves de mondial, Corse et San Remo. C'est vrai que de 98 à 2001, ça a été super intense entre les et grâce au soutien de la fédération, de Champeau, d'autres concessionnaires qui m'ont aidé, de Citroën qui s'en est mêlé. Enfin, tout s'est bien aligné et puis c'est parti. Pour moi, le Tour de Corse 2004, ça reste un souvenir incroyable en fait. Beaucoup, beaucoup d'émotions parce que déjà j'étais incapable de conduire dans la dernière spéciale tellement j'étais tendu, stressé et tout. Et puis là, quand tu arrives à être champion du monde, tu dis ben voilà, je suis arrivé au bout de mon rêve en fait. Et pour moi, ça a été un soulagement et aussi ça m'a enlevé pas mal de pression par la suite parce que. Voilà, je me suis dit, reste, c'est du bonus, on y va pour le plaisir, et puis voilà, et puis ça, j'en ai enchaîné quelques-uns, dont un autre super moment, celui que je retiens limite le plus, au Rallye de France en Alsace.
où je gagne la totale devant, devant mes potes, devant mes amis, sur le parvis de la mairie de Haguenau. C'était un moment incroyable. La foule et tout, c'était un truc de fou. Alors, on vient de parler de Sébastien Loeb, 9 titres mondiaux, c'est quand même énorme. Et pourtant, l'opération Rallye Jeune de la FFSA nous a réservé un autre multi-champion du monde qui s'appelle... Sébastien Ogier. Sans Rallye Jeune, je pense que j'aurais clairement pas eu de carrière et pas fait de rallye. Je suis d'un milieu relativement modeste. Je misais tout sur cette fameuse sélection et c'est vrai que je suis infiniment reconnaissant de l'opportunité que m'a offert la FFSA et Rallye Jeune. C'est vrai que après deux tentatives, j'ai réussi à remporter la sélection Rallye Jeune et deux saisons donc, chez Rallye Jeune afin de remporter le volant Peugeot. Après mes deux premières années passées au sein de la structure Rallye Jeune, la FFSA a continué à me soutenir et m'a permis d'accéder au championnat du monde junior WRC. En gagnant le junior WRC au Tour de Corse, je ne me rappelle plus du timing exact, mais globalement dans la foulée, Citroën et Olivier Quesnel à l'époque nous annoncent qu'on allait faire le dernier rallye de la saison en Grande-Bretagne au volant d'une C4 WRC. En plus, un premier rallye qui se déroule aussi, enfin, plutôt bien, en tout cas qui commence comme dans un rêve, où on est tout de suite en tête, on remporte notre première spéciale au volant d'une WRC, en tête du rallye jusqu'à la spéciale numéro 5, je crois. Bon, la suite, on la connaît aussi, elle s'est finie comme elle devait se finir, j'ai envie de dire, avec si peu d'expérience au volant d'une voiture qui allait beaucoup plus vite que ce qu'on connaissait. Mais globalement, on avait quand même marqué les esprits tout de suite pour notre première course en WRC. Après, c'est donc cette belle année 2008, le WRC s'ouvre à nous. La première victoire au niveau mondial intervient Portugal 2010. Seb Loeb nous a mis une très très grosse pression. Et donc obtenir cette première victoire face à la référence du moment, c'était clairement quelque chose de valorisant pour nous et un nouveau statut au sein de ce championnat et allait certainement nous créer d'autres opportunités pour la suite. C'était une fierté pour nous de continuer cette belle épopée française après Seb Loeb qui venait déjà d'avoir une carrière incroyable en WRC. Jacques Régis peut être très fier de son bébé. C'est lui qui a instigué la première opération Rallye Jeune dans le milieu des années 90. Et c'est vrai que par la suite, d'ailleurs, Nicolas Deschaux a également su faire perdurer cette fabuleuse sélection, que le système mis en place est top et puis surtout il est très accessible, c'est ça qui est génial. Ça peut permettre à plein de jeunes d'avoir des rêves et des opportunités d'y arriver. Bon, on va voir les F4. Oui, c'est par là. Tu en as déjà piloté une? Non, pas encore. Et pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau règlement depuis cette année et c'est 15 ans révolus pour faire une course. Et donc tu ne les as pas encore les 15 ans révolus. Bon, en attendant, je te montre le message de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Salut Arthur, juste un petit message pour toi, pour te dire que j'étais vraiment très fier d'être ton parrain sportif. Après la saison que t'as pu faire, qui est vraiment superbe, je voulais te féliciter pour tous ces résultats, ces victoires, championnat. Et voilà, te souhaiter tout le meilleur pour ce qui va arriver, sois patient. Continue de travailler comme tu fais et il y a de belles choses qui vont arriver. C'est sûr que le fait d'être parrain de Arthur, ça rappelle beaucoup de souvenirs de mon passé. Il y a eu la FFSA Academy qui avait été créée avec le Pôle Espoir au Mans. Et donc à l'âge de 13 ans, la fédération est venue me proposer et aussi à mes parents de me prendre dans leur programme, de déménager au Mans, de continuer mes études au Mans. Et me préparer physiquement, mentalement, avec tout le programme de préparation qu'ils ont là-bas. Mes parents ils m'ont demandé est-ce que tu veux partir de la maison, avec une petite larme à l'œil quand même. Et pour moi, j'ai pas réfléchi deux secondes. Le quotidien, déjà c'était un peu rustique comme environnement parce que c'était un ancien château, donc c'était la bagarre le matin pour avoir l'eau chaude qui durait à peu près 45 secondes, donc si t'étais pas en pole position pour rentrer dans les douches, c'était fini.
Il y a eu d'abord l'intégration au programme 10-15, ensuite il y a eu l'intégration dans l'équipe de France de karting. Ensuite, on a passé le cap et décidé d'aller en Formule 4. Et ça a été vraiment un pas important de commencer à l'âge de 15 ans en F4, 2013, à la suite de mon titre de Formule Renault. La fédération a fait le max pour que je puisse rentrer dans le giron Red Bull. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a changé quand même beaucoup de choses dans ma carrière. C'est sûr que la victoire à Monza, ça a eu un impact énorme, mais à tous les niveaux. Que ce soit sur le public français, que ce soit dans le paddock, à travers mon écurie ou les autres écuries du paddock, auprès de tous les fans de sport automobile dans le monde, et aussi pour moi. Je suis... Premièrement, extrêmement excité de rejoindre Alpine. Et je pense qu'il y a vraiment de très très belles choses à faire avec cette équipe. Et je pense une très belle histoire aussi avec Esteban, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire avec Esteban, elle remonte à il y a 20 ans, en 2002, la première fois qu'on s'est rencontrés, quand on se regardait et qu'on s'entraînait sur le sec, sous la pluie, sous la neige, à Anneville-Hambourville. Il y avait moins d'1% pour que l'un d'entre nous y arrive, et au final on s'est tout donné, on s'est tous les deux donné à 100%. On a tout fait pour devenir pilote de F1, et voilà, 20 ans après on se retrouve dans la même écurie, la seule écurie française sur la grille. Ça n'existe que dans les films d'Hollywood. Je pense que c'est quelque chose de vraiment unique, et j'espère vraiment que ça peut motiver les jeunes qui sont dans la salle et qui nous écoutent, et voilà, jamais abandonner. Et voilà, toujours travailler, se bagarrer, parce que tout est possible. Arthur, merci de ton accueil, très sympa. J'espère que vous avez tous brillé, toutes les équipes de la Fédération française du sport automobile. On en a bien l'intention. Eh bien, merci et bravo encore.